Les Bahamas demain matin à 5h. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée moche. La température est moche. Je file moche. Puis c'est ça. Parce qu'on s'en va. Puis ça me tente pas de m'en aller. On s'en va. Côté positif. Il y en a pas! Oui, côté positif. C'est que la première fois, tu n'auras pas visité Bibini. Ouais. Là, t'as l'occasion de faire un petit tour juste avant notre départ. Ouais. Bon, mettons. C'est pas une place ici qui est vraiment bon pour les piétons. Là. Les chemins sont très étroits. Il y a des murs de béton à chaque bord. Un plancher de sable. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est débile. On a laissé notre marque à Bibiné dans le bar qui s'appelle. Colin, je sais même pas c'est quoi le nom du bar. End of the World Saloon? En tout cas, on trippe. Puis on a mis notre nom, fait que vous irez voir notre nom en haut au plafond au-dessus du barmaid. Ok. Oh my god! Hey, they're so big. That one's a huge one. On veut pas tomber là-dedans. C'est des bull sharks. Ouais, mais si on t'en a, ça fait nourrir. Là. Fait que tu veux pas sauter dans l'eau pendant ce moment-là. Là. Mais c'est bien, ils sont énormes. Ils sont vraiment énormes. Là. There we go. Fishy. He's bleeding. On est arrivé sur l'heure du lunch des bull sharks. Je m'en souviens plus de n'avoir vu en freediving, en faisant la pêche, mais en regardant ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que j'en ai peut-être déjà vu une coupe dans l'eau. J'ai peut-être mélangé avec des reef sharks. Ouais. Mais ceux-là sont énormes. C'est fou! C'est fou! J'aurais pas voulu tomber en bas du balcon. C'est effrontable comment ils étaient gros avec leurs dents. Puis... Ah! Ouais, le gars nous a dit, un des locaux nous a dit faites attention, pas trop pas jusqu'à. Pas tomber. Là, c'est normal, ils sont en train de les nourrir. Fait que c'est pas le temps de tomber dans l'eau non. À ce moment-là. Vraiment pas. Là. La question de bien du monde qui se pose quand il arrive à terre, tu prends ton dinghy pour aller à la terre visiter. Mais la chose que le monde se pose le plus, est-ce que mon dinghy est encore là quand je reviens? On n'a pas tout le temps des places pour laisser les dinghys facilement accessibles. Fait qu'on trouve des petits coins, on laisse le dinghy là, puis à chaque fois qu'on en revient, on souhaite qu'il est là. Mais je pense pas qu'on a bien des problèmes ici au Bahamas. Je n'ai pas entendu d'histoire d'horreur, en tout cas, à date. Pete, t'es encore là? A grand, this is pretty good, I love it. Oh yeah, this is a good fish. Yes. Yeah. You catch it from here? Right there. Oh, cool. Oh, they're probably hiding under the wreck there.
Yes, they are. Yeah, oh. Je parle des... T'as cherché le denier. Le denier, là. Ah, mais ce matin, on a dit bye aux Bahamas. On est parti, il est à l'entour de 5h15 le matin. Direction Fort Lauderdale. La météo a l'air bonne. Pas beaucoup de vent. 8 à 12 qui est annoncé. Des vagues de 3 à 4 pieds dans le Gulf Stream. La seule chose, c'est qu'il y a des cellules orageuses qui se promènent un peu partout. Puis il y avait des alertes d'orage à Fort Lauderdale. Mais ça devrait s'avoir tout passé avant notre arrivée, qui est prévu d'arriver à 3h. On peut rentrer dans l'entrée à la mi-marée, pas à la mi-marée, mais à l'étale. Puis où la marée rentrante, pour être sûr que le inlet, ça va bien se passer. Là, ça fait peut-être 2h. C'est calme parce qu'on a la vague qui vient un peu de l'arrière. Fait que c'est pas pire, c'est pas trop houleux. J'ai réduit un peu la vitesse parce que sinon j'arrivais un peu trop de bonheur à Fort Lauderdale, puis je veux laisser le temps au système orageux de passer puis de me timer avec la marée. Donc, ça va être un autre chapitre de notre histoire. On n'avait pas prévu ça là, mais c'est ça que c'est le voli. Je suis pas malade. J'ai l'air malade, mais je suis pas malade. J'ai pris des drames loin, plus loin. Il y a ça au bout. Fait que il y a de la sentence. Avant notre grand départ hier, j'ai fait le changement d'eau de moteur et j'ai changé les filtres à fuel. Ce que je fais présentement, c'est que je m'envoie dans la chambre moteur et je m'assure qu'il n'y a pas de fuite. Des fois qu'on aurait pu causer une fuite en remplaçant un filtre, puis le seal ne sera pas bien installé de même, c'est sûr qu'on n'a pas de panne dans le chemin. Seul au monde dans notre traversée. Je t'assure qu'aujourd'hui, il y aurait d'autres personnes qui feraient la traversée. Mais non, on est tout seul. La seule chose que j'ai vue un matin, c'était un bateau de croisière en partant de Bimini. Je vois rien sur notre AIS. Disons que l'AIS a une portée beaucoup plus courte. Je pense que c'est un gros maximum 5000 nautiques de portée, vu qu'on n'a plus notre mât et que la lanterne n'est plus au bout. Au moins, il y en a un pareil. Mais ça réduit aussi notre portée de VHF. Fait que là, présentement, si je regarde à l'horizon, je vois rien. Fait que s'il y en aurait un pépin, je pense pas qu'il y aurait personne qui est là pour nous écouter. Mais pas grave, je pense même avec pas de moteur, peut-être qu'on réussirait à monter vers le nord, peut-être même se rendre au Canada avec un courant d'un nœud. Si on ne souhaite pas ça. Mais à date, ça va bien. Il n'y a pas de pluie. J'ai aucune idée pourquoi. J'avais réduit le moteur, je suis en autour de 2000 RPM. Là, d'un coup, l'RPM, Marie, elle me dit le moteur ralentit. Ouais, c'est là à cause qu'il prend une vague. Le moteur est comme allège un peu, il y a de la résistance. Là, je regarde l'RPM, mais non, il partait de 2000 tours, descendait vers 1600, il est remonté à 2000. Je dis, oh boy, ça va pas bien. J'ai remonté l'RPM à 2600 tours. Je suis allé voir en bas, il n'y a rien de spécial, il fait très chaud dans la chambre moteur. Puis j'ai décidé de pas des marches ouvertes pour faire de la circulation d'air. Je suis allé voir pour être sûr qu'il y avait de l'eau qui sortait au bout de l'échappement. Tout va bien, là avec l'RPM levé, je pense que ça va bien. Puis tout d'un coup, il y a des dauphins qui se pointent. On oublie tout le problème de moteur. Je n'ai compté vite.
toute une formation de nuages. J'espère que ça avance pas trop vite. Ça ne faut pas que ça nous rattrape. Il a fait des scènes tantôt. L'RPM, il descendait de 400-500 tours. Je pense qu'il a vu 600 un moment donné. C'est comme qu'on dirait qu'on montait une côte, puis se mettait à forcer, puis ça dérobait bien gros. Je crois peut-être que c'est probablement des cochonneries dans le fuel qui a pogné. On a changé les filtres à fuel juste avant de partir. Peut-être une bonne chance, mais là, c'est peut-être de quoi dans la tank qui veut bloquer le boyau. Il l'a pas refait encore, ça fait peut-être une heure. J'espère que ça se tient de même, puisqu'on arrive dans l'inlet, on ne voudrait pas avoir de troubles pendant l'inlet. Et c'est sûr qu'on va aller voir dans le fond de la tank. Si on ne trouve pas des surprises, une fois que ça va être possible. On est ancré au lac Sylvia, c'est fait. Il restait une petite place, puis c'était pour nous. Fait que là, on va voir c'est quoi la prochaine étape, mais pour l'instant, Florida, Fort Lauderdale, lac Sylvia. Un matin, on était dans l'eau claire bleue, puis là, ben, on est dans l'eau claire brune. Clairement brune. On était à Bévinet matin, est-ce que tu crois à nous aujourd'hui, t'as Floride? Ouf. Écoute, le paysage est vraiment différent. Je pense que c'est le nightlife ici, là, vraiment, là. Les fins de semaine, là. Party. L'action. Autant que c'était tranquille au Bahamas qu'ici, il y a de la vie. Je changerais l'eau, par exemple, pour la vie. Bello.